Bonjour tout le monde, astuce comment obtenir Abba, le chien légendaire d'un jeu vidéo, et comment obtenir Sonic. Alors l'habillement du chien et l'habillement de Sonic. Alors le palico, il a possibilité, le palico justement d'être en Sonic et se mettre en Sonic en or. Justement, concernant qu'il survole un peu la map, il touche pas le sol. Et je vous fais montrer sur la vidéo comment accéder aux deux événements presque au début du jeu. Bien sûr, il y aura des matériaux récupérés, comme des débris. Les débris, c'est un peu difficile à récupérer, comme c'est marqué, mais je vous expliquerai comment les récupérer, les chauds. C'est de la pâte chaude, la pâte chaude. C'est une sorte de bestiaux qu'il faut tuer en mode, justement, balade libre. Bon, je vous explique. Concernant le soleil du vent et récupérer tout, ça permet en fait d'avoir le chien plus l'habillement de Palico Sonic plus le chien Sonic. Alors je vous fais montrer comment les obtenir sur cette vidéo. Voilà, vous lancez des quêtes d'événements. Quand vous lancez une quête d'événements, vous allez dans Novice et vous sélectionnez les deux quêtes que j'ai présentées. Mais avant ça, on va faire des quêtes experts, la forêt. Faut pas prendre la deuxième, la neige. Concernant que ces animaux qui s'appellent Kabi, je crois, si je ne me trompe pas, c'est des petites bestiaux qui se trouvent en haut de la map, tout en haut de la map, gauche et droite de la map. Je vous fais montrer comment y aller et comment les tuer. Les chasser. Concernant, on prend des ingrédients. Et là, voilà sur la carte en haut, vers la zone 11 et vers la zone. Vers la zone 13. 11 et 13, n'oubliez pas de retenir 11 et 13. C'est deux animaux spéciaux, c'est des animaux dans la map. Sans besoin de battre un grand boss, tout ça. Il y a juste à taper ces mobs et ils vont vous donner les deux ingrédients. Je crois que c'est la pâte, une sorte de pâte ou une sorte de peau chaud qui va vous permettre de crafter justement. Alors il en faudrait un peu plusieurs parce qu'il faut crafter aussi les deux combinaisons de Sonic, le palico et le chien, si vous voulez. Mais bien sûr, la quête des anneaux, je ne vais pas vous montrer parce que c'est hyper facile avec la petite musique de Sonic. Concernant quand vous faites l'événement, c'est plutôt drôle, il faut ramasser 200 pièces. Dès que vous avez ramassé 200 pièces, voilà, la mission est terminée. Et vous faites ça au moins 2-3 fois pour avoir les tenues complètes. Bien sûr, il y a une autre tenue aussi que j'ai pas dit que j'ai eu sur Switch. Une autre tenue, mais ça c'est pour le personnage. Et ça je vous ferai montrer plus tard parce que j'ai pas le niveau pour y aller. Parce que je suis qu'au début du jeu sur Xbox One Series X. Concernant, que là je vous ferai montrer l'emplacement des bestiaux à tuer. Concernant que si c'est rare le taux pour récupérer. Mais bon, en une game ou deux games, c'est pour récupérer les pots. Alors là, il faut tuer des sortes d'animaux comme ça qui s'appellent des kabis. Des cabis, vous les tuez et vous ramassez la carcasse et tout ce qui est possible sur eux. Et vous continuez comme ça. Je vous laisse regarder la vidéo. Bien sûr, je vous fais montrer qu'il faut utiliser justement une poudre permettant de faire transformer Sonic en or. Voilà la présentation de Sonic en or et franchement il est stylé. Mais ça permettrait de faire des petits dégâts. Bien sûr, ça va pas être sans cité, ça va tuer les mobs et tout ça, le grand monster hunter. Alors concernant que j'ai fait montrer un emplacement, vous ramassez un corps jusqu'à temps que vous tombez sur la fameuse toile qui s'appelle la sorte de pâte bizarre la chaude. Du coup vous retournez dans un autre endroit comme j'ai dit. Souvent c'était sur la carte, vous voyez bien, sur le côté gauche de la vidéo, la 11 et la 13. Concernant que dès que vous avez fait ça, vous continuez, comme ça, ça va vous permettre d'obtenir justement le fameux débris.
les débris, bien sûr, vous sacrifiez, hein, vous mettez les débris à la place des fameux chauds, des pâtes chaudes. Quand vous, vous allez rebattre les deux autres aussi, n'oubliez pas surtout, je vais vous montrer sur la vidéo, de quitter la quête pour confirmer la mission. Alors là, vous rebattez eux. Jusqu'à temps que vous tombez. Et des fois, ils se barrent dans des herbes. Vous ne pouvez pas les rebattre après derrière. Et pour, alors, soit vous avez deux choix. Vous quittez la mission. Ou soit vous barrez très loin de la mission, dans la zone, et vous revenez. Comme ça, ils reviennent. Ils reviendront. Du coup, concernant que dès que vous aurez à affronter. Voilà. Alors là, vous appuyez sur Start. N'oubliez pas de quitter la mission normalement. Complétez la quête, surtout c'est important. Ne quittez pas comme ça, ne quittez pas comme ça. Il faut justement confirmer la quête. Complétez la quête pour valider justement les ingrédients. Concernant que voilà, on a des ingrédients. Je vais vous montrer aussi que dès que les ingrédients, voilà, ça va vous permettre justement. Justement des débris, voilà, avec cette pâte-là, de construire ce qu'il faut. Alors il faut le faire plusieurs fois, ça dépend combien de fois vous ramassez justement les fameuses pochots. Là vous retournez dehors, vous retournez dans la forge, et là la forge pour les palicots. Après pour l'humain c'est un peu plus compliqué, pour la dimensionnique spéciale, s'il faut affronter des mobs mais au début du jeu, c'est impossible pour l'instant. J'expliquerai ça dans une future vidéo, mais pas maintenant. Concernant que là, les pâtes, alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Débris. Vous sacrifiez justement des pots. Alors c'est, je crois que c'est deux pots ou une peau. Je crois que c'est deux pour faire justement un débris. Merci d'avoir regardé la vidéo.